Comment se déroule exactement le travail? Dilatation du col, comment cela évolue? Qu'est-ce que la délivrance? Bonjour, c'est Rémi de la chaîne Praxis Santé. Aujourd'hui, nous allons répondre à ces questions. Le miracle de la vie ne cesse de fasciner l'humanité et l'accouchement est l'un des moments les plus intenses et incroyables de ce processus. Le travail, ou parturition, est un processus continu et complexe qui peut varier considérablement d'une naissance à l'autre. Dans cette vidéo, nous allons d'ailleurs aborder uniquement l'accouchement vaginal, c'est-à-dire par voie basse. En général, on le divise en trois stades, mais il peut en réalité comporter quatre étapes selon les auteurs. Avant de démarrer ces étapes, je vous mets en lien et vous conseille de voir la vidéo qui parle du moment le plus opportun pour aller sur le lieu d'accouchement, juste ici. En effet, le travail commence souvent par la perte du bouchon muqueux, puis par les contractions utérines régulières qui s'enchaînent. L'ensemble des phénomènes dynamiques et mécaniques qui conduisent à l'accouchement est ce que l'on appelle le travail. Il comprend donc l'ouverture du col de l'utérus, la dilatation, la naissance du ou des bébés, l'expulsion, et la sortie du placenta, la délivrance. Même si le travail peut parfois sembler effrayant, il est important de se rappeler que chaque naissance est unique et que les professionnels de santé sont là pour accompagner les personnes qui accouchent tout au long de ce processus extraordinaire. Première étape, la dilatation du col. Cette phase de dilatation correspond à l'ouverture progressive du col de l'utérus qui permettra au bébé de sortir. Cette étape peut durer plusieurs heures en fonction du contexte et de chaque personne enceinte. Il peut être ressenti une certaine douleur, mais pas de crainte, c'est un signe que le corps travaille pour permettre la naissance du ou des bébés. Lorsque l'arrivée sur le lieu d'accouchement se fait, l'équipe de soins accueillera pour suivre l'évolution du travail. Le plus souvent, le col de l'utérus est examiné régulièrement pour déterminer son état de dilatation. Et en fonction de celui-ci, la personne enceinte sera dirigée vers la salle d'accouchement où il peut être proposé d'aider à soulager la douleur, notamment via la péridurale, si évidemment vous la souhaitez. Durant cette étape, l'état de santé du ou des bébés est surveillé grâce à des capteurs posés sur l'abdomen de la personne enceinte, appelé monitoring. Cette surveillance peut permettre également de déterminer le moment opportun pour aider les poussées et faciliter la naissance. La phase de dilatation peut être divisée en trois parties distinctes. Phase de latence. Elle fait suite à l'effacement du col, mais peut lui être parallèle, notamment chez la personne multipare qui a déjà accouché. C'est la plus longue des phases et dure en moyenne 8,6 heures chez une personne nullipare avec un maximum de 20 heures et 5,3 heures chez une multipare avec un maximum de 14 heures. Effacement du col égale dilatation du col jusqu'à 2 à 4 cm. Contraction modérée douloureuse qui se produisent toutes les 5 à 25 minutes et durent 30 à 45 secondes. C'est habituellement la phase la plus longue du travail pendant laquelle il peut être préférable de rester chez soi. Phase active. Elle correspond à une dilatation active du col avec une vitesse physiologique d'ouverture supérieure à 1 cm par heure chez la personne primipare et 1,5 cm par heure chez la
multipare. Cette phase dure en moyenne 4,9 heures chez la nullipare avec un maximum de 12 heures et 2,2 heures chez la multipare avec un maximum de 6 heures. Effacement du col égale dilatation du col jusqu'à 6 à 8 cm, contraction de plus en plus forte et intense qui se produisent toutes les 2 à 4 minutes et qui durent environ 60 secondes. Phase de transition. C'est la phase la plus courte du premier stade du travail. Effacement complet du col égale dilatation du col jusqu'à 10 cm, contraction plus haute intensité qui se produit toutes les 2 minutes et dure environ 90 secondes. Seconde étape, l'expulsion du ou des bébés. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Cette étape peut sembler intimidante, mais pas de panique, le corps sait quoi faire. Le travail peut se dérouler de différentes manières. Il peut être spontané, c'est-à-dire qu'il se produit naturellement sans intervention médicale. Dans d'autres cas, il peut être dirigé, c'est-à-dire que le professionnel de santé utilise des médicaments pour stimuler les contractions. Et enfin, le travail peut être médicalisé, c'est lorsqu'il y a des interventions médicales telles que la rupture de la poche des os ou des instruments, spatules, ventouses, forceps, etc. qui sont utilisés pour faciliter l'accouchement. Dans cette étape, les bébés se mettent en position pour descendre dans le canal vaginal. Les contractions sont généralement moins douloureuses et surviennent toutes les 2 à 5 minutes. Il peut être ressenti une envie irrésistible de pousser. C'est un signe que le ou les bébés sont sur le point de naître. Le professionnel de santé veillera à ce que la position du bébé qui se présente soit correcte dans le bassin afin de demander de pousser. L'expulsion du mobile fœtal peut être difficile et il est parfois nécessaire de réaliser certaines manœuvres obstétricales qui vous sont détaillées dans cette vidéo. Ou même également parfois une incision contrôlée du périnée appelée épisiotomie afin d'éviter des déchirures trop importantes. Ensuite, et grâce aux poussées, l'ensemble du corps du ou des bébés glissera hors de l'utérus. Une fois la naissance effectuée et la bonne adaptation néonatale constatée par le cri du nouveau-né par exemple, il est immédiatement ou rapidement proposé un pot à pot, c'est-à-dire nouveau-né placé sur le ventre et la poitrine de la personne accouchée. Le cordon ombilical sera coupé, puis bébés recevront ses premiers soins. C'est un moment magique et émouvant. On arrive à la troisième étape, la délivrance du placenta. Cette étape est essentielle pour éviter tout risque d'hémorragie. Après la naissance du ou des bébés, de légères contractions sont ressenties, mais cette fois-ci, elles seront moins douloureuses. Il peut être demandé de pousser pour faire sortir le placenta. En général, ce processus est rapide et le placenta est expulsé naturellement. Mais classiquement, il est donné par perfusion la même substance que précédemment citée pour favoriser des contractions utérines plus efficaces. Toutefois, si cela ne se produit pas, le professionnel de santé pourra procéder au retrait manuel du placenta. Une fois que le placenta est expulsé, les contractions permettent à l'utérus de se reprendre sa forme initiale et d'éviter les hémorragies. Il peut également être ressenti des tremblements et des frissons durant cette période. Si toutefois il y a le désir d'essayer d'allaiter ou non, il est possible à ce moment de faire une tétée d'accueil, c'est-à-dire de mettre le ou les bébés au sein qui peut aider à favoriser aussi ces contractions.
il est important que le placenta soit expulsé dans son intégralité, car cela réduit le risque d'infection et de saignement. Soyez rassurés, les professionnels de santé surveillent activement cette étape pour s'assurer que tout se passe bien. Quatrième étape, pas toujours énoncée, la récupération du postpartum immédiat. Cette période est décrite différemment selon les sources. Pendant cette étape, il est important de se reposer après les efforts considérables vécus afin d'avoir une stabilisation des constantes. De plus, passer du temps avec le ou les nouveau-nés en faisant du pot à pot permettra des échanges et gardera bébé au chaud. Et comme précédemment dit, si un allaitement maternel est envisagé, il peut être essayé la mise au sein. Il est primordial que la personne accouchée prenne soin d'elle en s'hydratant, en mangeant sainement, en se reposant et en suivant certains conseils que l'équipe soignante aurait indiqués pour éviter tout risque de complication. La personne accouchée doit garder en tête d'être bienveillante envers elle-même et ne doit pas hésiter à demander de l'aide si le besoin s'en fait sentir. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter et je vous dis à bientôt.